Le bon pasteur est ressuscité, lui qui a donné sa vie pour ses brebis, lui qui a choisi de mourir pour son troupeau. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, la messe que nous célébrons a été demandée par la famille de Maman Mabalda Pauline, pour le repos de l'âme de Maman Mabalda Pauline et pour le bon déroulement de ses obsèques. Maman Goffe Clotilde demande cette messe aussi pour le repos de l'âme de Wafo Zéphira de Bobda Félicien et Maman Mabalda Pauline. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et les accueille dans sa maison pour le repos éternel. Nous prions avec Maman Christelle Saint-John pour rendre grâce au Seigneur pour la guérison de sa petite sœur Émilie Sarah. Que le Seigneur achève en elle ce qu'il a lui-même commencé. Nous prions avec Maman Marie-Thérèse Matteux pour rendre grâce au Seigneur et pour lui confier la protection de Kenzie. Que le Seigneur la couvre de son précieux sang. Pour lui confier aussi Sandra, que le Seigneur suscite sa conversion, qu'elle retourne à la maison. Nous prions avec François, Achille, Carissa Franck, Cyril, Jospin, Brice, Alexandre, Martial, nous prions avec tous les jeunes qui se confient à nos prières, qui confient à Dieu leurs projets, que le Seigneur les accompagne. Nous prions aussi pour les malades de notre communauté, Papa Jules Camdem, Papa Lin Zéphira, que le Seigneur les guérisse, lui le médecin par excellence. Confions notre vie, notre journée au Seigneur, qu'il nous éclaire par la lumière de l'Esprit Saint, que cet Esprit soit notre défenseur, notre guide dans tout ce que nous aurons à faire. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, entoure ta famille et que ta main droite la soutienne pour toujours. Ainsi, par la résurrection de ton Fils unique, qu'elle soit préservée de tout égarement et recherche les dons du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, du chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leur chef pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystre et de Derbé, et dans leur territoire environnant. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se redressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en lycaonien, les dieux se sont fait pareil aux hommes et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant. « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant. » Lui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui contient. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Psaume 113. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire. Pour ton amour et ta vérité, pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de main humaine. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le ciel, c'est le ciel du Seigneur. Aux hommes, il a donné la terre. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Alléluia, alléluia, alléluia.
L'Esprit Saint nous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non, pas Judas, l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Ce qui montre que nous aimons le Père, que nous aimons Dieu, que nous aimons Jésus, c'est l'attention que nous prêtons à sa parole. Quand il parle, nous prenons sa parole avec sérieux. Nous accordons un intérêt à cette parole. Nous n'accueillons pas sa parole avec désinvolture ou bien avec légèreté. Puisque la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et Dieu s'est fait chair pour habiter parmi nous. Le Verbe s'est fait chair. C'est cette parole qui s'est fait chair pour habiter parmi nous. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est que nous prenons Dieu avec légèreté. Pour montrer donc que nous avons la foi, que nous croyons en Jésus, que nous l'aimons et écoutons sa parole et mettons-la en pratique. Mettons les commandements de Dieu en pratique. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Si nous aimons Dieu, si nous mettons en pratique sa parole, si nous respectons ses commandements, Dieu nous aimera. Dieu se manifestera à nous. Dieu se manifeste à nous et nous donne la force, le pouvoir d'opérer même les miracles. Comme il s'était manifesté à Paul, à Barnabé, et leur a donné le pouvoir de guérir un infirme. Les apôtres ont fait le miracle au nom de Jésus. Parce que les apôtres se sont donnés entièrement à Jésus. Ils aiment Jésus, ils se consacrent à Jésus. Ils sont prêts à mourir pour Jésus.
Ils ont la foi en Jésus, une foi convaincante, une foi convaincue. Ils ne croient pas à moitié, ils croient totalement, entièrement en Jésus. Et au nom de Jésus, ce Jésus, Dieu puissant, qui a vaincu la mort, au nom de Jésus, ils ont guéri un infirme. Et quand ils ont guéri un infirme, toute la population les vénérait. Ils ont même failli les prendre pour les dieux. Ils voulaient donner le nom Zeus à Barnabé, le nom d'Hermès à Paul, qui sont les dieux païens. Cependant, Paul et Barnabé refusent qu'on les adore. Ils en sont partis jusqu'à vouloir leur offrir un sacrifice parce qu'ils les considéraient comme des dieux. Alors, Paul et Barnabé se sont donc détournés de ces honneurs qu'on voulait leur donner, de ces cultes qu'on voulait leur vouer. Et ils disent, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. Paul et Barnabé ne sont que des instruments dans les mains de Jésus. Jésus les utilise pour agir. Ce n'est pas par leur force et qu'ils ont pu guérir l'infirme, mais ce n'est pas la force de Dieu. Oui, chers frères et sœurs en Christ, si par notre foi, le Seigneur nous donne de faire certaines choses, n'allons pas croire que ce n'est pas notre force. C'est par la force de Dieu. Et tout ce qu'on veut nous rendre comme gloire, orientons-le vers Dieu. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom. Donne ta gloire. Nous sommes là au service de Dieu. Nous sommes les instruments de Dieu. Nous luttons pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. Prions donc ce matin que le Seigneur nous donne de l'aimer à fond, de nous consacrer à lui, de l'aimer pour qu'il se manifeste à nous et nous utilise pour faire venir son règne dans ce monde. Loué soit Jésus-Christ. Pata bialo nanto, si pata bialo nanto, si pata bialo ngoto ki. Si pata bialo nanto, pata bialo ngoto ki. Si pata mshapa. Nos Seigneurs ont pris. Répondant de toi, nos Seigneurs ont pris. Et bénis de nous, toi qui nous donnes notre force, que la chair soit de vie. Et que le Seigneur nous donne notre force. Et nous sommes en train de nous. Bien longo tout
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendu la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lanticone et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Maman Mabobda, Pauline et de tous les autres défunts pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta grande miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, David Hill, Goldwyn, Jospin, François, Martial, Carissa, Franck, Achille, Brice, Cyril,
sur Émilie Sarah, sur Kenzie, Sandra, Marie-Thérèse, sur Alexandre. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix du Christ. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, dit le Seigneur. Alléluia. Achevons notre prière. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous le fruit du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Personne, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don, mais que tous puissent marcher vers la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, qui a choisi et appelé les apôtres et leur a confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais aujourd'hui aussi ton Église qui à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de ton Évangile. Fais croître les vocations, afin qu'elles portent des fruits. Marie Reine de la Paix, Notre-Dame de Domelon, éveille la confiance et le courage, l'amour de Dieu et de tous les hommes, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Jésus, tu es mon tout. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi, Jésus. Je voudrais tant t'aimer, mourir d'amour pour toi. Esclave, je l'étais, l'enfant prodige, c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras, Jésus, tu es mon tout. Mourir d'amour pour
Jésus, tu es mon tout, je voudrais.